Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui vidéo Clash Royale, vidéo sur l'équilibrage, le rééquilibrage des troupes dans la mise à jour qui arrive. N'oubliez pas le concours qui dure toute la semaine, il y a une carte cadeau de 20€ à remporter sur toutes les vidéos de la semaine. C'est très simple, il suffit bien sûr d'être abonné, c'est un concours abonné, c'est normal, je favorise mes abonnés, de liker la vidéo et de la commenter avec un commentaire Clash Royale en rapport avec cet équilibrage. Vous me dites ce que vous en pensez, voilà, c'est plutôt sympathique. Tous les gagnants seront annoncés fin de semaine. N'hésitez pas à checker toutes les vidéos de la mise à jour pour avoir un maximum d'informations. Sur chaque vidéo, on traite d'un sujet de la mise à jour, informations officielles, fuites, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut savoir, déductions, etc. Guerre de clans, nouvelles troupes, nouvelle arène, nouveaux modes de jeu. Donc n'hésitez pas à checker les précédentes vidéos qui sont sorties. Il y a un concours sur toutes ces vidéos aussi. C'est pas une seule carte cadeau à remporter sur toute la semaine, c'est une carte cadeau par vidéo qui atteindra les 2000 pouces bleus à chaque fois. Donc voilà, c'est cool. Si ça fonctionne bien, on fera la même chose la semaine prochaine. On réclamera un petit peu plus de pouces bleus. Bref, on va parler de cette balance. Balance change coming. Donc je vous ai mis la photo logiquement. Sinon, montage, je sais pas, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Dark Prince. Donc le prince ténébreux, on a son shield. Donc c'est le bouclier à moins 25%. Donc ça veut dire qu'en gros, il passera plus vite sur sa vie. Et son bouclier sera moins important. J'ai repris Clash Royale depuis quelques semaines, depuis quelques jours, à hauteur de, je sais pas, je vais pas te mentir, je fais pas 50 games par jour, tu vois, j'en fais 10, 15, 20 grand max. Si je le croise une fois par jour, ce prince ténébreux, c'est génial. Donc, peut-être dans les plus petites arènes, je sais pas, peut-être que dans les plus petites arènes, c'est un carnage, c'est une terreur, t'hésites pas à me dire ce que t'en penses. Moi, personnellement, bon, je sais pas trop, je suis un peu dubitatif. Le chevalier, très utilisé avant son increase il y a quelques semaines. Et de nouveau EP, là, donc très intéressant aussi. Moi, ça me va, plus 3% de vie, ça me dérange pas, au contraire, c'est une carte emblématique du jeu, j'aime. Le gobelin à Sarbacane, DPS augmenté et dégâts augmentés. Alors, dommage, plus 3%, ça veut dire qu'il va faire de 93 à 96 dommages, donc il va taper plus fort. Donc sur certaines troupes, ça va vous donner l'avantage. Plutôt que de taper 5 fois, il va taper 4 fois et il va le tuer, par exemple. Et le DPS, donc c'est la vitesse. Le DPS, c'est la vitesse de frappe, en fait. Donc elle est augmentée aussi, donc c'est pas mal. Donc plus de dommages plus rapidement, c'est très intéressant. Ça peut vraiment faire la diff. Spire Gobelin, attaque speed plus rapide. Enfin, non, plus lent, pardon, de 0,1 seconde. Effectivement, j'entends beaucoup de critiques. Et DPS plus faible. Donc tape moins fort. Et moins vite, en gros. Moins vite. Alors ça, c'est chelou, ça. Enfin bref, il va être moins rapide et ça va être du coup, par conséquent, il fera moins de dommages, en fait. C'est une conséquence du temps, en fait. Si t'as 30 secondes, tu frappes plus de fois que si tu tapes 20 secondes. Et donc, tu fais plus de dommages en 30 secondes qu'en 20 secondes. C'est logique. Voilà, donc ça me parle plus. Parce que j'ai vu beaucoup de monde en défi, super défi, qui gratte beaucoup au gobelin. Et ça, je comprends, tu vois. Ice Spirit, bro. Dommages, moins 4%. Freeze, moins 0,5. Alors, ce qui est plus embêtant, les dommages, on s'en bat avec. On va pas se mentir, toi et moi. Les dommages de l'esprit de glace, on s'en tape complet. Par contre, le freeze qui passe de 1,5 à 1 seconde, aïe. Fait très très mal. Skeleton, ils vont nous rajouter un squelette. Ça c'est pas mal, ça va peut-être mettre la carte sur le devant. Le barbarian barrel, tu vois, je serais vraiment un connard. Je serais vraiment un petit con si je te dis ouais, tout. Franchement, j'ai joué 2-3 fois. J'ai trouvé ça tellement nul que je ne me suis même pas attardé. Donc range, donc ça c'est la distance, c'est la portée peut-être, je crois. De 6, 5, tout 7. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir le lancer de plus loin, de plus près pour aller plus loin, en gros. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Donc je peux avoir, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais au moins tu as l'information. La foudre. Le rayon d'action augmenté de 3 à 3,5. Magnifique. Ça, je suis content de voir ça. Ça, ça va peut-être faire revenir vraiment la foudre sur le devant de la scène, qui est une carte. Voilà. Tornado Duration. La tornade. Moins 0,5 secondes, elle va durer moins de temps et moins de dommages. Bonne idée. Parce que le combo tornade bourreau, j'en peux plus. J'en peux plus du. Tu vois, des fois t'arrives, t'as un golem, t'as ton dragon, t'as tout ce qu'il faut. Tu vois, le mec, tu charges, le mec, il te met tornade bourreau, il te lessive tout, mon pote. Non, pas possible, pas possible. Non, non, donc ça, merci CR, merci Clash Royale. Et parlons légendaire, parlons archer magique, faster.
projectile. Alors, moi, pour moi, ça veut dire déploiement plus facile. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est un peu la surprise du chef, tu vois. C'est un peu la surprise du chef. Si toi, tu sais, tu le dis en commentaire. Tu mets un maximum de likes si t'es un collègue et que tu vois que ton pote il a trouvé la bonne réponse pour que tout le monde le voit. Et comme ça, moi aussi, je le verrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était la Balance Change Coming, le rééquilibrage des troupes qui va sortir avec la mise à jour. Passez tous une agréable journée, un agréable week-end, un agréable samedi. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit concours. On se dit à la prochaine. Salut, salut!